Et vous voyez, toujours en ce vendredi saint avant la révolte. Voici donc que ça continue. Les lampadaires les plus chers du monde de Nice. Ça passe la peinture. Il rechange une bande. C'est bien goudronné. Tourterelle quand même arrivée. Il y a 12 feuilles. Ça fait les 12 apôtres. Pour demain, pour la manif. Pour là ? Manifestation de quoi ? Il y a quelque chose demain ? Ouais. Manifestation de quoi ? Il y a la révolte du peuple. Ah, d'accord. Ok. D'accord. Ah oui, maintenant c'est dur là. Ça, je sais. C'est les lampadaires les plus chers du monde. Les lampadaires ? Ouais, ils jouent, ils remettent, ils referment, c'est pas des petits bois. Ah bon, c'est vrai ? On est rentré des fous. Les lampadaires ? Ah oui. Ils ont changé les lampadaires, ça fait 6 mois qu'ils jouent le truc. Je sais pas qu'est-ce qu'il passe. Oh le bébé, donc il est beau. Oh. Bonne journée. Bonne journée. C'est pas avec l'arbre. C'est merci Cantalou, la magouilleuse en plein. Ça va, c'est un cadeau. On peut répéter la question pour un camion. Respirer ça toute la journée. Hein.
peux essayer de mettre de la prod. On va voir si avec Michel. On célèbre Astropoche, je sais pas si c'est vrai. Peut-être que je parle de mon rêve. Je vis dans le grec de ce vendredi. Aussi, tu vois, comme une fois quand j'habitais vers Bon Voyage là, à côté du tabac, à côté de l'école, la même semaine ils ont dégoudronné trois fois, ils ont goudronné trois fois, ils ont repeint trois fois. Si ça c'est pas pour dépenser des sous pour rien, je sais pas qu'est-ce qu'il vous faut. Ça arrive juste au moment qu'il faut décharger le camion. En travers, 6 mois que ça dure. Et oui, là en direct de ce vendredi. C'est quoi qui tient chaud? Il y a des grosses résistances. Au bout d'un moment, il a refroidi, il faut se bouger le cul. Bon, là, il y a moins de bruit.
Ouais, je voulais vous parler du vrai songe du matin. En fait, c'était compliqué. En fait, c'était, je devenais le père adoptif de la petite fille du coffre. Avant que ça devienne un rat de laboratoire ou un secret défense, tu vois. Donc qu'il me fasse plein de piqûres, qu'il, bon, ça va être trop tard. Puis une fille, qu'est-ce que tu veux adopter? T'as pas un rond, c'est un gros merdier chez toi. Ce sera peut-être pour plus tard, je sais pas. Avant qu'on lui mette de la merde dans la tête. Pour l'instant, c'est une Vierge Marie. Il faudrait l'appeler Marie, la petite fille. 20 mois ou presque 2 ans dans le coffre de la bagnole. C'est grave. Il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de microbes, il n'y a pas de machin. Je sais pas. Bienvenue dans les lampadaires les plus chers du monde. Mais il va rester les feuilles. T'imagines, laisser un bébé dans le coffre. Marc, il y en a bien qui les congèlent. Tu travailles, t'es fatigué, t'as mal au dos, t'inquiète, grâce à toi, il mange grassement et du bio. Et du bio. Ouais, c'était bien, c'est de... Alors ma chérie, un gamin malin, une cougar nous gouverne, vous trouvez ça normal, réveillez-vous. Le pognon, c'est le dieu du diable. Le partage et l'amour sont dieux. SDF, sans domicile fixe, 40%, bientôt, enfin sur la planète, moi je parle au niveau planétaire. SDF, sans destin favorable, 40%. SDF, 3, sans difficulté financière, il n'y a même pas 10%. Les 10% qui restent sont leur suppôt d'extrême corruption légale et maçonnique sa mère. Et bien alors, sur le tonneau d'uranium, de plutonium, tout comme ça. Insurrection pacifique mondiale pour changer d'air et d'air. Et voilà. Tu veux quoi? Des gosses plus hauts, plus d'animaux, plus d'eau potable, et tu continues à voter pour des notables? Dehors, c'est plus de l'archi. C'est la fin de la récré. Demain, allô la Terre, c'est demain. Et oui là.